The SCP Foundation. Secure, contain, protect. SCP-343 vieux. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-343 réside dans une chambre de 6, 1 mètre de longueur par 6, 1 mètre de largeur sur le site 17 de sécurité minimale. Tous les objets que il demande devront lui être apportés et il devra recevoir au moins une visite quotidienne de un membre du personnel. Du fait de la nature de SCP-343, voire description, toute tentative de mettre en place de nouvelles procédures de sécurité ou d'autorisation supplémentaire est inutile, impossible. Description, SCP-343 est un homme, sans race particulière, de apparence humaine et doté d'une omnipotence visible. SCP-343 fut découvert marchant dans les rues de Prague et fut confiné après que un des membres du personnel ait été témoin de sa disparition de la rue et de sa réapparition sur un toit. SCP-343 est retenu, avec son accord, dans sa chambre puisque son emprisonnement se est révélé impossible, voire note. Addendum Croisillon 343-1, SCP-343, familièrement surnommé par les employés, ressemble à un vieil homme, et ses caractéristiques se présentent différemment que chaque observateur. Lors de ma première discussion avec lui, il a proclamé être le créateur de l'univers. Quand je lui ai demandé de le prouver, il a ri, a marché à travers le mur de la chambre, et est revenu quelques secondes plus tard, un hamburger à la main. Quand je suis revenu le voir une seconde fois, la cellule précédemment vide avait été meublée en haut de gamme dans un vieux style anglais, avec une belle cheminée, et semblait beaucoup plus grand que l'intérieur. SCP-343 apprécie beaucoup le fait de parler avec des gens, et semble avoir des connaissances sur tous les sujets. Rendre visite à SCP-343 est devenu une activité quotidienne pour beaucoup de membres du personnel, et tous les employés disent se sentir mieux après chaque visite. Toute tentative de instaurer une limite d'accès au personnel avec une habilitation inférieure au niveau 3 se sont montrées inefficaces. Les gardes affectés à la surveillance de la chambre quittent leur poste, en disant « Vous savez que, il aime la compagnie », ou en évitant les questions. Vu que SCP-343 ne pose aucun problème, tous les membres du personnel sont autorisés à lui rendre visite, et en quelque sorte ils ont toujours le temps de se entretenir avec lui aussi longtemps que nécessaire. Pour le instant, je laisse ce rapport ouvert vu que des compléments d'interrogatoire de SCP-343 sont en cours, docteur. Beck, attention SL4 ou plus requis pour avoir accès aux informations suivantes. Addendum Croisillon 343-2, en ce qui concerne le document 343-1A, il n'y a pas de données pertinentes disponibles ou potentiellement existantes de façon similaire. Toutes les données concernant de éventuelles rencontres entre SCP-343 et Docteur, ou le Docteur Beck sont manquantes ou présumées non existantes. Tous les membres du personnel interrogé disent ne rien savoir à propos du document Croisillon 343-1A et prétendent ne jamais avoir rencontré Docteur. De même, le officier principal Docteur Beck a demandé une rotation importante du personnel pour augmenter le moral dans les pires sections. Cette demande pour le moins étrange fait actuellement le objet d'une enquête approfondie. Deux autres anomalies ont été notées telles que une amélioration de la santé, une plus grande satisfaction au travail et une baisse du taux de mortalité dans cette section ont conduit à ce que cette demande soit accordée. Ce sujet est clos sur ordre de O5.